Rivaldo. Viene il ballo che prende Burr, Rivaldo con il pecho, la cilenata di Rivaldo, gol! També se'n va Koeman, l'empassalina de Koeman i el golaç de Ronald Koeman. Il y a des buts du Barça qui marquent les esprits et qui écrivent la légende du club catalan, et il y en a d'autres qui ont fait de leurs joueurs des idoles d'un soir au sein même de l'antre du club rival. Connaissez-vous beaucoup de Barcelonais ovationnés à Santiago Bernabéu à part Diego Armando Maradona? Lui, il l'a fait. Lui, c'est Ronaldo de Assis Moreira, alias Ronaldinho. Et comme j'avais un peu de temps libre devant moi, j'ai décidé de vous raconter son histoire. Ronaldinho! Ronaldinho dispara! Porto Alegre, 1,4 million d'habitants. Le 21 mars 1980, c'est dans cette ville du sud du Brésil que naît Ronaldo de Assis Moreira. Au cœur d'une famille vivant pour le football, il grandit balle au pied et intègre à l'âge de 7 ans l'Académie du Grêmio, le club de Porto Alegre. Très vite remarqué pour ses qualités techniques largement au-dessus de la moyenne dans les catégories jeunes, il inscrit 23 buts en un seul match à l'âge de 13 ans et continue d'impressionner l'encadrement du club. Malgré des essais au FC Sion en Suisse, puis une offre de 6 millions du PSV Eindhoven, qui fait suite à la victoire du Brésil au championnat du monde des moins de 17 ans, le jeune Brésilien reste à Grêmio et va commencer, dès 1998, le début du festival, Ronaldinho. À l'été 99, Grêmio remporte le championnat de son état, Rony finit meilleur buteur du tournoi et enchaîne sur une saison 2000 dantesque où il inscrira 39 buts en 43 matchs, de quoi faire baver la grande majorité des recruteurs européens qui s'intéressent de plus en plus à cet ovni du ballon rond. Et à ce petit jeu-là, c'est le Paris Saint-Germain qui l'emporte et arrache la pépite brésilienne, qui découvre l'Europe dans le club de la capitale, aux côtés notamment de JJ Okocha. Le Nigérian est considéré comme l'un des derniers magiciens du football moderne et d'entrée Okocha justifie en partie cette réputation en marquant un but extraordinaire qui permet à Paris de revenir à 2 buts 1. En même pas 6 mois, Ronaldinho enflamme les pelouses de Ligue 1 et devient la clé de voûte de l'attaque parisienne, mais qui échoue malheureusement au pied du podium de l'exercice 2001-2002. Rony rejoint alors la Seleção pour la Coupe du Monde organisée en Corée et au Japon, un mois de compétition durant lequel le joyau va illuminer la planète football aux côtés d'un autre monstre, Ronaldo Nazário de Lima. A priori, lui, vous le connaissez vu vos commentaires sous les vidéos. Trois ans après le sacre du Brésil à la Copa América 99, Ronaldinho soulève son deuxième trophée majeur après une finale remportée 2-0 face aux Allemands avec un doublé de R9. En quelques mois, le statut du natif de Porto Alegre a radicalement changé. De prodige, Rony est devenu une superstar qu'on admire en espérant découvrir à tout moment une fantaisie, un dribble ou une feinte dévastatrice. Mais malgré l'effervescence qu'il suscite, le joueur est souvent mis sur le banc par Luis Fernandez, le coach du PSG de l'époque, et se contente de bouts de match au cours de la saison 2002-2003. Avec une grosse dizaine de buts et des actions de grande classe, dont un petit festival au Vélodrome en mars, Rony continue d'attirer l'attention sur lui et fait saliver pas mal de grosses écuries européennes, dont Manchester United ou le Real Madrid. Après une nouvelle saison décevante avec une 11e place en Ligue 1 et aucun trophée remporté, Rony fait parler son cœur et rejoint le FC Barcelone pour 27 millions d'euros, en laissant une trace indélébile dans le cœur des supporters parisiens. La superstar brésilienne rejoint donc les Blaugrana, qui sortent d'un exercice 2002 très décevant, au cours duquel ils finirent 6e. Mais le moins que l'on puisse dire, c'est que Rony va très vite remédier à cette situation. Premier match, premier slalom, premier but. Le Camp Nou comprend là qu'il tient sûrement la pièce qu'il manquait à l'équipe pour venir concurrencer l'écurie madrilène, les fameux Galactiques de l'époque. Petite équipe hein, quand même. Cette année marque le début de l'hégémonie de Ronaldinho sur le foot européen. Une panoplie technique hallucinante, un sens du jeu criant et cette constante sensation de facilité. Rony transfigure littéralement le club catalan. Inarrêtable, il marque 24 buts et délivre 13 passes décisives, est désigné meilleur joueur de Liga et remporte par la même occasion le trophée de joueur UEFA de l'année.
no es solo mío, principalmente mis compañeros de la afición, este premio es nuestro. Entonces, si yo pudiera repartir ese premio, lo daría un pedacito a cada uno y repartiría con ustedes también. Entonces, gracias. Ronnie est au sommet de son art et peut enfin exprimer l'incroyable talent qu'il a entre les pieds. La saison suivante sera celle de la consécration collective pour la nouvelle coqueluche catalane. Il mène Barcelone vers son premier titre en championnat depuis 6 ans, continue d'inonder la planète football de toute sa classe, avec notamment ce pointu légendaire contre Chelsea, et délivre le 1er mai 2005 une passe décisive pour un jeune argentin de la Masia, un certain Léo Messi. On reviendra peut-être sur lui un peu plus tard. La saison 2005-2006 voit le club catalan remporter une nouvelle fois le championnat espagnol, porté par un Ronnie que beaucoup considèrent maintenant comme le meilleur joueur de la planète. Lors du Classico à Bernabeu en novembre, Ronnie est absolument extraordinaire. Il humilie pendant 90 minutes une défense madrilène complètement dépassée par la vitesse d'exécution et l'aisance technique du Brésilien. Il marque à deux reprises, le Barça inflige un 3-0 au Real et Ronnie sortira sous les acclamations de Santiago Bernabeu. Cette saison-là, Ronnie noircit la feuille de stats, avec 26 buts, 20 passes décisives, et en profite pour gagner son premier et seul ballon d'or en décembre 2005, qui vient récompenser une saison gigantesque, aussi bien individuellement que collectivement. Et pour bien clôturer cette merveilleuse saison, le Barça va aller glaner sa première Ligue des Champions depuis près de 15 ans, en venant à bout des Gunners d'Arsenal en fin de match, par l'intermédiaire de Samuel Eto'o et Giuliano Belletti. Auréolé de cette superbe saison, Ronnie rejoint alors la Seleção pour la Coupe du Monde 2006 en Allemagne, et personne ne sait alors que celle-ci sera les prémices du début d'une longue fin pour Ronnie. Ronaldinho qui va armer sa patte droite, sa patte féerique et magique. Cette balle travaillait. Oh, aïe, aïe, aïe. Oh, elle était puissante. Oh, qu'elle était belle et puissante. Décevant, le Brésil et lui voient leur chemin s'arrêter en quart de finale face aux Bleus, portés par un Zidane de gala ce soir-là. Bon, forcément, quand un mec est capable d'une telle prestation individuelle conclue par la passe décisive victorieuse, difficile de faire quelque chose en face, même avec l'une des plus belles équipes de tous les temps. Durant la saison 2006-2007, ses stats continuent d'être plus que correctes, mais son impact sur le jeu catalan n'est plus le même qu'avant. Ronaldinho n'est plus décisif malgré ses 21 buts inscrits en championnat, un record pour lui en Catalogne. Le Barça finit deuxième de Liga derrière le Real, et Ronnie commence à être critiqué par son entraîneur pour son hygiène de vie et ses sorties nocturnes, qui agace une bonne partie du vestiaire Blaugrana. Il n'a plus les clés du jeu barcelonais, est fréquemment hué par le public catalan et se voit poussé vers la sortie après une blessure aux adducteurs. Après 207 matchs ponctués de 94 buts et 58 passes, dont un dernier fabuleux contre l'Atlético, Ronnie signe à l'AC Milan en juillet 2008, et ce malgré des tests physiques alarmants concernant son aptitude à rejouer au football. Buonasera a tutti, grazie mille, forza Milan. Ronnie débarque donc en Lombardie pour se relancer, et qui de mieux que ses deux confrères brésiliens Kaká et Pato pour le soutenir dès son arrivée. Malgré une médaille de bronze avec la Seleção à Pékin en 2008, sa première saison en Italie n'est pas à la hauteur des attentes placées en lui par Carlo Ancelotti, le coach du Milan de l'époque. Mais durant la saison 2009-2010, alors que personne n'y croyait vraiment, le grand Ronaldinho est de retour et semble retrouver son niveau d'antan. Au sein d'un effectif lombard mêlant jeunesse et expérience, Ronnie comme un poisson dans l'eau, finit meilleur passeur du championnat avec 14 caviar et régale San Siro à chacune de ses sorties, notamment contre Manchester United en février, où durant quelques moments, le Ronaldinho barcelonais a ressurgi pour quelques gestes de grande classe et un match immense. Mais comme dans la capitale catalane, le Brésilien est vite rattrapé par ses travers, perd sa place de titulaire et doit se contenter d'entrer en fin de match, durant lesquels il ne pèse que très peu sur les défenses adverses. Son manque de travail et d'hygiène de vie ne convient plus aux dirigeants lombards, qui doivent le transférer au mercato hivernal, alors même que le Milan semble remporter son deuxième titre de champion depuis la saison 2004. Dentro de campo, obrigado pelo carinho e vamos com tudo, nação rubro-negra, tamo junto, tô fechado com vocês e agora eu sou o Mengão.
Sans trop de surprise, Ronaldinho revient dans son pays natal au Brésil avec dans le viseur la Coupe du Monde 2014 organisée justement dans son pays. Approchant bientôt la trentaine, le génie brésilien est sur la pente descendante mais accueilli à Flamengo en 2011 comme un demi-dieu, une icône populaire. Comme chez lui, Rony passera 2 ans au sein d'une équipe sans trop d'ambition, mais le talent et la folie de l'ancien meilleur joueur du monde sont toujours bien présents. Il emmène cette équipe jusqu'en 8e de finale de l'Europa League sud-américaine, la Copa Sudamericana, et remporte la Coupe Rio contre Fluminense, une équipe qu'il connaît bien. Après 70 matchs et une petite trentaine de buts, il signe pour l'Atlético Mineiro où Rony parachèvera son immense carrière. Comme si c'était écrit, il porte le club jusqu'à la finale de la Copa Libertadores et remporte la compétition en juillet 2013 après une saison à quasiment 20 buts. Alors que certains le voient revenir en Europe, il reste au Brésil mais joue beaucoup moins. Ronaldinho enchaînera ensuite par un petit passage au Mexique, puis à Fluminense en 2015 où il terminera véritablement sa carrière. Une carrière faite de titres collectifs et de distinctions individuelles. Une carrière immense mais qui aurait pu l'être encore plus avec une éthique de travail irréprochable, une vie nocturne moins agitée. Mais Rony n'a jamais vraiment décidé de jouer au football. Il s'amusait simplement avec le ballon, avec le public, avec son sourire et cette joie de vivre qui le caractérisait tant. Ronaldinho, c'est l'histoire d'un footballeur précoce, l'un des meilleurs joueurs des années 2000, l'un des footballeurs non européens les plus appréciés de toute l'histoire du football et du sport en général. Ajoutez à cela un palmarès à en faire pâlir plus d'un, avec ce combo Copa América, Coupe du Monde, Champions League, Ballon d'Or, et vous obtenez un joueur inoubliable, inclassable, qui a laissé une empreinte très forte partout où il est passé. Personne n'a eu et n'aura vraiment l'impact culturel de Ronaldinho sur l'évolution des comportements individuels et de la notion de spectacle. Lui, ce joueur adulé, encensé, couronné, ce génie du ballon rond pour qui le football était un jeu et dont chaque pelouse foulée se transformait en une simple cour de récréation. Le joyau brésilien avait tout pour plaire et pour illuminer les observateurs et les fans. Des qualités de vitesse, d'improvisation, d'inventivité et d'agilité tout simplement ahurissantes. Des buts de dingue, de partout. Des passes de dingue, de partout. Des accélérations de dingue. Des célébrations pour tous. Pour l'éternité. Rony, c'était tout ça à la fois. Un footballeur unique. L'égérie du football spectacle. Un Brésilien fantasque sur et en dehors des terrains. Le Brésil comme on aime et comme on espère le revoir. Inégalable et inimitable. Rony, c'était le genre de gamin qui ne révisait jamais pour ses examens, mais qui s'en sortait souvent avec la meilleure note. Voilà, monsieur Ronaldo de Assis Moreira, pour tout cela et pour l'ensemble de votre œuvre, laissez-nous simplement vous dire merci. Walk away, here to say, down the hill, here come the sun. Walk away, down the mess, summer days, here come the sun. Somebody, someone else and myself. ¿Quién fue su jugador favorito cuando era niño? Maradona.